Allez les gars, c'est parti, on va se partir sur un petit. Là, ça va être vraiment du jazz en mode trio quartet avec Charlie Antonini. Je vous fais écouter ça de suite, vous allez voir si ça vous plaît, mais là, on n'aura que de l'instrumental. Donc, ce qui veut dire que là, ça pourrait être les Eltax qui vont être bien mis en valeur. Et on va commencer l'écoute par les Magnat. Thank you.
Bon, les gars, petit débrief sur cette écoute. Donc, sur cette écoute, voilà, là, clairement, je préfère les Zeltax. Pourquoi? Parce que les attaques sont plus franches, tu as plus de détails, le son est plus. C'est plus entraînant. Enfin, voilà, après, tu. Je trouve sur les instruments, les Zeltax, elles se débrouillent plutôt bien et elles en ressortent bien l'image sonore, l'ambiance que ça peut dégager. Tu peux très bien être dans un petit show en live, dans un bar, enfin même en concert ou quoi. Elles te redonnent bien ça quand même, je trouve. Donc faut que j'essaye de trouver le live et je te fais écouter ça. En tout cas, dis-moi si tu as préféré les Maniacs ou les Zeltax sur cette écoute de quartet. Voilà. Allez. Hop, on va continuer. À mon avis, la dernière.